Bonjour et bienvenue. Donc, activité orale, page 144. Attention, danger. Donc, on va voir l'activité 1. Activité 1. Tu veux mieux connaître le rôle de la forêt? Échange avec tes camarades. Demande-leur des explications. Explique ce que tu sais. Donc, tu lis d'un tarif Jayden, Daur Raba. Échange avec tes camarades, c'est Bedel ou Tahawar Maas de Kaik. Demande-leur des explications. Otlomenum Tepsiret. Explique ce que tu sais. Washrah Meda Tarif. Donc, on va parler du rôle de la forêt. Donc, on va commencer. Donc, que voulez-vous savoir, mes amis? Mais de celui de veux-tu bien nous expliquer pourquoi la forêt est si importante? هل يمكن أن تشرح لنا سبب أهمية الغابة؟ هل يمكن أن تشرح لنا سبب أهمية الغابة؟ car c'est le lieu de vie de plusieurs animaux. لأنها موطن العديد من الحيوانات. On a entendu dire que la forêt est le poumon de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? On a entendu dire que la forêt est le poumon de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? لقد سمعنا أن الغابة هي رئاسة الأرض. ماذا يعني هذا؟ لقد سمعنا أن الغابة هي رئاسة الأرض. ماذا يعني هذا؟ La forêt est un ensemble d'arbres et les arbres dont l'oxygène que nous respirons. Si les arbres disparaissent, l'homme et les animaux vont souffrir. La forêt est un ensemble d'arbres et les arbres dont l'oxygène que nous respirons. Si les arbres disparaissent, l'homme et les animaux vont souffrir. الغابة عبارة عن مجموعة من الأشياء أشجار عن مجموعة من الأشجار إذا الغابة عبارة عن مجموعة من الأشجار الأشجار تزود ما بالأكسجين الذي نتنفسه سي لي زابر ديسباريس عندما تختفي الأشجار أو فإذا اختفت الأشجار سيعاني الإنسان أو البشر والحيوانات كثيرا إذا سيعاني الإنسان والحيوان Merci pour tes explications. شكرا لتفسيرك. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention et à bientôt.